Shalom, 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 peuple de shalom. Dieu. Shalom. Nous sommes ici avec la team et nous allons en direction la mer. On va se baptiser. Aujourd'hui est un grand jour et nous allons accomplir ce que la parole demande. Nous partons pour faire les œuvres de l'Éternel et pour faire la volonté de notre Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, soyez dans la joie et réjouissez-vous conformément à Philippiens 4, 4. Soyez toujours dans la joie. Aujourd'hui est un grand jour. Amen. Nous allons nous Amen. Baptiser. Courez derrière le baptême, peuple de Dieu. Et comme la parole l'a demandé, répondez-vous et courez derrière le baptême car le royaume des cieux s'approche. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. On vous salue et on vous bénit tous puissamment. Amen. On a un studio, afin d'aller à Paris, on a fait baptiser là. On a eu grâce à Wana, il y a mon soit qui courage et après se déplacer. On a eu moi dans les personnes. On a sépéli, on a accueilli, on a mansoï, on a mis en cours les lots. En tout cas, on a eu vraiment un miracle et mon aile, on a vu là. On a sépéli ma casse, on a mis sur les qui n'a pas les lots. Je m'appelle Khadija et aujourd'hui je suis venue me faire baptiser avec Apôtre Martin Makoma. Le baptême s'est vraiment très très bien passé. Je suis vraiment très contente, je me sens vraiment délivrée totalement. J'ai vraiment rencontré le vrai Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Il est vraiment formidable. Je ne sais pas quel mot décrire. C'est une très très belle expérience. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et je me sens légère, je me sens vraiment très bien. J'ai retrouvé la sagesse en moi, la paix en moi. Il y a encore beaucoup de choses et je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vraiment, n'hésitez pas vraiment à venir vers Apôtre Martin pour venir vous faire baptiser. Moi, c'est la première fois, c'est la toute première fois que je viens me faire baptiser et c'est une énorme expérience, c'est une très très belle expérience. Et jamais on vous propose de vous faire baptiser avec Apôtre Martin, n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas. Il faut venir, même si, exemple aujourd'hui, normalement je devrais travailler. J'ai pas dit à mes collègues que je suis venue me faire baptiser parce que c'est personnel. Donc en gros, j'ai consacré cette journée de travail pour venir me faire baptiser parce que c'est très important de rencontrer le vrai Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth pour retrouver dans son chemin, pour être dans son chemin, pour vous guider. Voilà, merci beaucoup, merci à Apôtre Martin, merci à toi, merci aussi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce que tu as fait pour moi, de votre miracle, de votre bénédiction, de votre miracle, des délivrances que j'ai eues aussi dans les derniers temps que j'ai eues par rapport à les problèmes que j'avais dans le passé. Maintenant, une fois que je me suis baptisée, voilà, maintenant je prends une nouvelle vie, un nouveau chemin, je suis le nouveau moi et je suis l'enfant de Dieu, de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. My name is Walio. I'm from Paris. I'm coming here for a baptême. After the baptême, I'm feeling very, very good. And I hope other people can do it. Thank you. Bonjour, je m'appelle Rodrigue, j'habite au Luxembourg. Je suis venu aujourd'hui, je me suis fait baptiser. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme sauveur personnel. Et au début, avant, je ne croyais pas vraiment. J'étais un peu en dehors de beaucoup de choses. Maintenant, je reçois Jésus dans ma vie. Donc, je suis très, très, très content. Et tout ce que je souhaite, c'est moi que Dieu marche devant moi, que je puisse continuer à le servir et à avancer. Merci. Oui, je viens de la France. Aujourd'hui, c'était le jour de ma baptême. Le baptême est bien passé. J'ai remercié Dieu. Et je suis venu avec ma femme et la dame qui est à côté. Aussi, elle va parler. Moi, c'est Marie-Hélène. Je viens de la France. Vraiment, Dieu nous a bénis, bénis, bénis. C'est le jour de notre baptême. Les anges dans les cieux se réjouissent de tout ça. Vraiment, je suis très contente de Belgique, en Ostende. Voilà, sur la mer. On a pris fait les baptêmes, on a mangé, on a mis, ça s'est très bien passé. Nous sommes dans la joie, nous sommes bénis. Et bénis. Nous sommes l'homme bénis de Dieu soit béni vraiment. Avec maman.
Yakira, soyez bénis, bénis. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse avec l'apôtre. Vraiment, nous sommes très très contents. Nous allons y rentrer avec la joie en France. Nous serons bénis, nous sommes bénis vraiment. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Shalom, j'ai 18 ans et aujourd'hui je me suis fait baptiser dans le ministère de Bethesda et il y a Gradel. Bonjour tout le monde, moi aussi je me suis fait baptiser aujourd'hui, je suis vraiment vraiment content. Je sens vraiment que toute notre vie de derrière, tout est parti, on est né de nouveau et on est vraiment heureux et on remercie Dieu pour cela. On remercie l'Éternel et moi aussi je suis heureuse, je suis contente. Je prie Dieu vraiment qu'il me donne la vie qu'il faut pour arriver chez lui au paradis. Et je remercie tout le monde qui a assisté à ça et tout. Merci beaucoup. Et on ressent vraiment, vraiment qu'on est vraiment, vraiment, vraiment libéré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, shalom kinderen van de Heer. De Heer heeft weer vandaag grootste genade gedaan hier zo op Oostende. We zijn met een hele groep mensen. Er zijn vele mensen bekeerd en gedoopt in de naam van Jezus Christus vandaag. Ze hebben hun oude leven weggegooid om hun nieuwe leven volledig aan de Heer te geven. En ik wil alle mensen bedanken uit de gemeenschap van Bethesda Ministry die ons hebben ondersteund, die speciaal op deze dag zijn gekomen. We zien het, onze nieuw, fresh geborene zusters en broeders in Christus. Mogen de Heer hun bijstaan. De Heere zijn is de enige God in onze leven. Nieuwe Gradel. Nieuwe Gradel. Nieuwe toekomst. Nieuwe alles is dit. Shalom les enfants de Dieu, peuple de Dieu. Wow! Regardez comment je suis mouillé. Le Seigneur a fait de grandes choses aujourd'hui. Le Seigneur a béni des gens, les enfants de Dieu, ils sont dans la joie. Vraiment, on a encore les baptêmes les 14 août et les 21 août. Alors, vous êtes là les bienvenus. Celui qui veut être nouveau-né, celui qui veut que le Seigneur marche avec lui, celui qui veut devenir enfant de Dieu, alors ne ratez pas les jours du baptême. Bethesda, il va faire encore les baptêmes les 14 et les 21 août. Soyez là. Et c'était les grands jours aujourd'hui. Gloire à notre Seigneur. Bye bye.